Bonsoir, je suis Robsterly D. Rosa, volontaire de la Croix-Rouge haïtienne. En se référant sur l'inspiration de Pierre Chauvin, le problème des déchets plastiques est en passe de devenir une menace pour Haïti. Avec la situation socio-politique, économique, sanitaire par rapport à la COVID-19 et l'augmentation de l'insécurité en Haïti, de jour en jour, nous sommes devenus beaucoup plus vulnérables face à la multiplication des déchets plastiques. Je voudrais me concentrer sur la mauvaise pratique de la fin de vie des masses jetables de protection, des déchets médicaux et de tout autre déchet constitué de plastique. Ces déchets sont à la base de grandes inondations en Haïti. Ces déchets qui devraient être brûlés, par exemple les masses, mettront près de 400 ans avant de se décomposer entièrement. Par contre, le brûlage à l'air libre de ces déchets conduit à la libération des toxines dans l'environnement et la transmission des maladies. De ce fait, les sujets à court terme ont ainsi pris le pas sur les sujets de plus long terme, tels que le réchauffement climatique. En raison des craintes de ces effets sur la santé et l'environnement, j'encourage une nouvelle structure bien ordonnée sur la gestion de ces déchets, suivant le modèle de 5 RVE, réduction à la source, récupération, réemploi, recyclage, réutilisation, valorisation et enfouissement.